Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. La boulangère lui souriait, mais il ne la voyait pas. Et pourtant, qu'elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle. Il faut dire qu'elle était vraiment très croustillante, autant que ses croissants. Puis elle rêvait mélancolique, le soir dans sa boutique, à ce jeune homme distant. Il était myope, voilà tout, mais elle ne le savait pas. Da, 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 da. Il vivait dans un monde flou, où les nuages volent bas. Da, 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 da. Il ne voyait pas. Chaude des baguettes, des galettes et des babas, da, 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 da. Dans la boulangerie en fête, un soir on les maria, da, 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 da. Tout en blanc, qu'elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle. Et de leur union sont nés des tas de petits gosses, myopes comme papa. Quand vanant parmi les brioches, se remplissant les poches de petits pains au chocolat. Dou 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 dou. Et pourtant, qu'elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle. Et quand on y pense, la vie est très bien faite, il suffit de si peu. Simple paire de lunettes pour rapprocher deux êtres et pour qu'ils soient heureux.